Mais McFly, grouille-toi, putain, à mettre à la bourre à l'émission, tu rends dingue. Écoute, c'est limité à 30, je vais à 25 par sécu, voilà, mais c'est tout. S'en fout, ça, c'est pas professionnel, c'est chaud. Mais quoi, c'est chaud, regarde, le GPS dit 5 minutes, ce sera juste, mais on y sera, voilà. Il peut nous arriver n'importe quel coup, il y a un éboueur et ce sera la merde, s'il te plaît. Sérieux, sois cool, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive là sur la route? Genre une crotte de nez géante, genre verte fluo qui ressemble à un hachis parmentier qui nous tombe sur la gueule, c'est ça? Ah, pardon. Bonjour et bonsoir à la fois, bonjour à tous et bonsoir à la fois, bonsoir à tous et bonjour en même temps, bonjour à tous, bienvenue dans le Fat Show. Ah oui, bien sûr, ce soir Marina est allée dans la rue vous poser des questions. Schneidepp s'est allé dans des conditions extrêmes pour vous raconter des blagues. Et vous faites bien d'être présent avec nous car c'est une émission avec uniquement du contenu créatif et de la qualité innovante. Oui, comme la fois où t'avais mis du gaffeur sur ton œil. Et ce soir dans le Fat Show, on est très fiers de recevoir Jonathan Cohen, qui est un acteur, un comédien de renom, de talent. Il a fait le conservatoire, c'est du lourd, il est là avec nous, bravo, on l'applaudit. Ça va, quoi? Ça va, ça va bien. Je fais quoi, là? Je fais quoi, là? On va faire un... Non, je faisais un châtelain du 18e, mais bon, vous l'avez pas remarqué. Ah, on n'avait pas... Bon, on est prêt ou pas? Non, on n'a pas, voilà, pas taffé. On a rien. Comment ça, vous avez pas taffé, les gars? Bah, on n'a rien prévu. Moi, perso... Vous avez rien, vous avez que dalle. C'est-à-dire non. Qu'on fait Avignon dans un mois, on n'est pas prêt? Ah, si! Ah. On a des accessoires. Ouais. Ouais. On a une perruque de moine. Ouais. Peut-être. Ah, moi, regarde ce que j'ai là. Voilà. Un corps de chasse. Un corps de chasse. J'ai un casque de Lancelot. Ça peut aider. Bon, moi, j'ai ma canne. Ah. Voilà. Et regarde, oh là, regarde ce que je trouve! Ah! Du PQ. Franchement. Qu'est-ce que t'en penses? On la met ça directement. Je pense qu'on a que dalle en fait, c'est de la merde. Ouais. On peut pas créer un spectacle? Non, on peut pas créer, surtout avec du PQ. Quel est ton signe du zodiaque? Gémeaux. C'est super. Mon moi, père. C'est vierge. Ah, on peut faire un truc? À 3? Je suis gémeaux. Oh. Excellent. Je l'ai pas. T'as pas compris? Non, je l'ai pas. Les gémeaux, ils sont 2. Donc on peut se faire un plan à 3 avec la vierge. Non, les jumeaux, ils sont 2. Les gémeaux sont 2. Les non, jumeaux, non, c'est un signe du zodiaque. Exactement. Et c'est quoi le sigle des gémeaux? Des jumeaux. Ah. Non, la vierge, elle a une cruche, elle a de l'eau. Non, ça, c'est les taureaux. Ah, aucun rapport. Et pourtant, Marina est allée dans la rue pour vous poser cette question. Est-ce que vous croyez à la voyance, au signe du zodiaque, au signe des cieux, finalement? C'est la ligne de vie. Ah, la ligne de vie dans ses chaussures. Alors, amour, vous êtes cocu. Santé, pensez à faire votre petit régime comme tous les 2 mois. Merci. Travail, un micro-trottoir de folie avec une équipe fulgurante. Tiens donc, est-ce que vous consultez souvent votre horoscope? Non, absolument pas. Je trouve ça stupide. Quand c'est sur l'argent, j'y crois. Bah c'est parce que enfin on lit pour le dire aux autres, pour rigoler, non, c'est tout, mais non. Je suis toujours déçu de voir que celui du voisin dit la même chose que moi, mais en mieux. Tout ce qu'ils ont dit est jamais arrivé, donc... Et pourquoi t'y crois à ton horoscope alors? Je sais pas, ça m'amuse. Et ça t'a dit quoi? Que j'allais rencontrer l'amour de ma vie et pourtant... Non, que dalle. Voilà, que j'allais avoir plein d'argent, toujours pas. Ah, est-ce que des fois il y a des trucs vrais? C'est arrivé, oui. Et que j'allais faire du sexe ce soir et non plus, donc... Pour ma carrière, oui, il y a eu des petites choses, oui. Vous lisez votre horoscope? Hein? Ouais, il a dit aujourd'hui que je rencontrerai 2 abrutis. Vous pouvez me citer? Et la voyance, vous y croyez? Pour les autres, j'y crois, parce que voilà, mais pour moi, non. Je sais pas, non. Enfin, c'est ridicule d'aller voir une voyante, non? On est tenté. Certains jours, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose ailleurs, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui m'échappe, que je ne comprends pas. Et peut-être que certains ont le don de le révéler. De toute façon, les gens qui vont voir les voyants, ils sont faibles, de base. Et voilà, on leur dit des trucs, ils font « Ah, mais oui, c'est vrai, ah oui, ah, exact. » C'est relativement abstrait comme concept, la voyance. Enfin, j'y crois sans y croire, oui. Je pense qu'il y a des gens qui ont un don, et puis il y a des charlatans aussi. Donc. Et puis le reste du temps, on se dit « Mais tout ça n'est qu'une grande farce, tout ça est une illusion, et beaucoup de charlatanisme. » Et tu voudrais même gifler un voyant? Non, bah forcément, il fait ce qu'il veut. S'il arrive à vivre comme ça, tant mieux pour lui, quoi, mais... Et là, si le voyant il te dit un truc génial, t'y crois ou pas? Non, je croirais plutôt l'avocat, moi. Putain, tu fais du droit, toi? Oui. Dans quel cas t'irais? Gratuitement et bourré. Moi aussi, je peux être voyant, sinon.
Oui, vas-y, viens, on fait un essai. Ce sont simplement quelques personnes qui s'emparent d'un sujet, d'une fausse capacité à lire dans les lignes de la main, dans les signes, dans les entrailles des coques, etc. Vous avez quelqu'un en ce moment? Oui. Ça fait longtemps? Vas-y, choisis, essaye de deviner. J'ai besoin de savoir si ça fait longtemps pour savoir si ça va durer. Qui parviennent par ces moyens à extirper un peu d'argent à leurs semblables et qui finalement sont de terribles charlatans. Combien c'est la séance? C'est vrai qu'on se laisse prendre au jeu. Hein. Non, on se laisse facilement prendre au jeu et malheureusement les personnes les plus crédules, ça leur revient très cher. Les charlatans, vous allez bien vous faire voir. Et vive les balances. Ok, Jonathan Cohen, interview continue, prise 1. Boum, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On peut chanter du Youssoupha? Moi, ouais, tu connais? Youssoupha, c'est mon vrai plat. Bon, je déconne, j'adore ce gars. J'adore ce gars, les amis de la télé. Jonathan Cohen, on va commencer cette interview par Wikipédia parce qu'il y a un gros problème, faut dire la vérité. Faut qu'on en parle. On t'aime bien et Wikipédia est un problème. Ouais, je crois savoir ce que c'est. C'est-à-dire que sur ta page Wikipédia, il y a écrit, alors exact, vous allez vérifier, hein, il y a marqué, je vais le lire, Jonathan Cohen est un acteur français. Point final. Alors, je savais pas que c'était ça. Ah, il y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais parce que c'est très long, parce que sur Allociné, je suis cascadeur. Je suis acteur cascadeur. Peut-être autre petite cascade. Et j'ai fait, mais pas des films de merde. Hein. Ah oui. J'ai fait Harry Potter, j'ai fait Dark Shadow, genre des trucs de ouf. Bon, on va rentrer dans les choses peut-être plus sérieuses. Oui, il y a 10 ans, tu vendais des fenêtres. Ouais, exactement, les gars. Et on a... Ça fait marre. Non, parce que... Tu imagines en train de vendre des fenêtres? Tu vendais des fenêtres et on a une question qui coule de source. Était-ce des tribas? Non. Ouais, c'est ça. Ah, quand même. J'ai vendu des fenêtres et mon meilleur pote, en même temps, alors qu'il a prévenu personne, il a dit, je vais faire du théâtre, je crois. Et moi, c'est un truc qu'on me disait à moi. Tu devrais faire du théâtre, t'es con et tout. Et je dis, ah ben non, les gars, je fais 4 blagues, c'est pas pour ça que je veux faire du théâtre. Et j'ai attendu, je sais pas, un an avant d'y aller. J'ai vu un cours d'impro et j'ai tapé une alu. Et puis après, très très vite, j'ai démissionné. Et je me suis lancé là-dedans sans ambition. Je me suis pas dit, je veux devenir acteur. J'ai dit, je veux juste faire ça. Je veux juste arriver sur la scène et faire... Oh, c'est mon rêve aussi. À l'époque, c'était ce que je faisais de mieux. Du coup, donc, tu prends des cours de théâtre dans une école de théâtre qui doit avoir un nom que personne ne connaît. Qui s'appelait Fame. Voilà, mais ensuite, tu passes le conservatoire. Ensuite, je fais un petit tour au Sudan et c'est Raymond Acquaviva qui me dit, qui est Raymond Acquaviva, qui est un acteur de renom, et qui m'a dit, tu devrais passer le conservatoire. Moi, je savais pas trop ce que c'était. J'avais 23 ans et puis c'était la dernière limite. Donc, je passe le cons et pour moi, c'est vraiment, je le vois comme un bloodsport. C'est-à-dire que j'ai aucune... tu vois, je m'en bats les couilles. D'accord. J'arrive, je suis détente, mais je suis en bloodsport. C'est-à-dire que je vais casser des briques et on va voir qui casse le plus de briques. Et donc voilà, j'ai passé les paliers mais en détente, je crois que c'est pour ça que je l'ai eu. C'est parce que je crois que je m'en battais les couilles, je savais pas ce que c'était. Peut-être une bonne méthode. Peut-être la meilleure. Faites ça pour le bac, allez-y en vous en battant les couilles, ne révisez rien. Non, passez votre bac, bien. Fumez la weed, passez votre bac. Le cons, parce que t'as dit le cons comme on demande une tradition. Ouais, j'ai un peu honte. Donc tu fais un truc stylé, mais tu dis le cons. Ouais, j'ai au cons. Les gens, ils rendent dingue au niveau du Fabrice Luchignesque ou ils sont cool? Ah, ils sont mortels, mec. Non, ils sont très très cool. En fait, t'as plusieurs clans. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que tout le monde veut faire le même métier mais différemment. Ouais. Donc t'as le gang des pieds nus, t'as tous les gars qui sont pieds nus. Oh. J'ai besoin d'enlever mes chaussettes pour sentir le truc. On les déteste. Donc les mecs font, oh là là, je me masse les pieds. Ça... Et donc t'es là à côté, t'as le gang des écharpes, t'as le gang des suce-boules, t'as tout le monde. T'as vraiment, c'est sectorisé, c'est hyper intéressant. Et moi, j'étais le gars qui avait rien à foutre là. Donc moi, j'avais un gros problème de légitimité parce que je connaissais rien du tout au théâtre. Et la meuf, la dame qui s'occupait de l'histoire du théâtre, on avait un cours d'histoire du théâtre, elle nous posait en début d'année la question de pourquoi on faisait... Qu'est-ce qui vous a amené au théâtre? Pourquoi on fait du théâtre? Et tout le monde répondait, alors moi, j'ai vu une pièce qui a été pour un chamboulement et je m'en souviens encore. Ah. Tout le monde chialait. Et moi, ça arrive à moi, je dis, putain, j'ai vu Scarface, quoi. Et donc, t'es là comme une teub. Et alors, pourquoi vous? Je crois que j'aime le cinéma. Ah bah oui, mais c'est pas une bonne raison. Allez, cassez-vous. Elle est super énervante, cette Béatrice. Ah non, mais mec, j'ai pas un bon souvenir d'elle. Et du coup, de ça, t'arrives au cinéma après? Mais ouais, quelle est la passerelle théâtre cinémix? Cinéma, pas tout de suite. Ah, si, je fais Comme t'es belle. Rôle dans Comme t'es belle, qui est mon première expérience. Et j'étais tellement flippé.
Non mais formidable. Non parce qu'on peut vous faire quelque chose de... Ah j'aime pas me planter mais c'est nous qui faisons les films les plus branchés quoi. Vous avez deux secondes, je vous montre. Ouais. Allez on y va. C'est parti, yallah. Et n'empêche que ça t'a donné envie de faire du ciné de ouf ça. Ah bah grave, de toute façon moi j'ai toujours eu envie de faire du ciné de ouf. Alors après je sors du conce et là j'ai... Oh putain tu dis conce. C'est non, mais parce putain que t'es stylé et tout mais tu dis conce. Bah les gars je vous jure si vous avez on des SX ouais. comme moi bah vous diriez conce. Et de là en fait je fais Les Invincibles. Qui est une série donc sur Arte. Enfin c'était une série minutes, voilà, ouais. exactement de 4 mecs. Ouais. Qui larguent leur meuf. Ouais. Au même moment. Ouais. Et qui se soutiennent dans la vie ensuite. C'est une sorte de constitution où on défend une certaine idée de la liberté et de la vie. Au secours. Espèce de connard de merde ! T'as à peine 30 ans, FX, et t'as déjà la mentalité d'un vieux faux cul. Je peux lire la prochaine question de me... Oui, mais avant tout, je me suis rappelé que Moul Dachour jouait dans Le Choc des Titans. Excusez-moi. C'est vrai. C'est incroyable. Je suis désolé c'est incompréhensible, de reparler de ça. Ouais. Bonne chance, pêcheur. Il y a des scorpions géants, il y a tout, et il y a Moulou de Chaux. Ah ouais, super voleuse. C'était stylé. La prochaine question, écrite par McFly, c'est... T'as des réals avec qui tu rêves de bosser, interdit de citer Jean-Luc Reichmann. Ok. Par exemple, Maïwenn, par exemple, c'est... J'adorerais bosser avec cette fille. Parce que je trouve qu'elle elle arrive à sortir des acteurs quelque chose de mortel. Tellement, voilà. Tellement. Police complètement dingue. Police complètement dingue. Mais on a un bon cinéma français. Sûr, et ouais. On a un cinéma qui va être de mieux en mieux. A sua entressola em material Duomax. T'es chaud pour un live? Ouais. Tu nous peux. On revient juste après. Tu peux nous faire un jingle live? Live, 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 la musique en live, c'est super la musique en live. Alors oui, ce groupe succulent s'appelle Namasté. Alors oui, ils ont fait les premières parties de Julien Doré ou encore Christophe Maé, rien que ça. Alors oui, vous allez passer quelques minutes exquises, mais il y a un truc qui me chiffonne et je pense qu'il s'agit de cette coiffure. C'est mieux. Bonne chance. The sun rises, the world in my eyes. Calls me up, the sun shines again. Soul out the sky. Elevated me up, I was walking like a zombie toy. They gave me pills to kill with joy. They said it's alright. But someone shut me down. Shut me down. And here I am. Shut me down, or shut me down. Here I am. It's a song for the sun that shoots love straight from Zion. Oh, oh, oh. Just a song for the sun, my only remedy against the bullets of our guns. No. The sun hits my bare skin as bare bombs blasted into bare homes, bare homes, bare homes, bare homes. The heat was so heavy, crushed my head and makes me crazy, 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 crazy. Well, I'm juggling dreams in fire, past and hope for the future. What brings me joy is to think that I will lay down under a cloudless sky. This rainbow colors brings tears to my eye. Lay down, cloudless sky. Rainbow colors brings tears to my eye. It's a song for the sun that shoots love straight from Zion. Whoa, oh, oh. Just a song for the sun, my only
remedy, cause the bullets are focused. Oh, it's a song for the sun that shoots love straight from Zion, Zion. Ooh, just a song for the sun, my only remedy, cause the bullets are focused. Donnez-nous hein, une fissure ancrée. Jonathan, dans quelques jours, il y a ton nouveau film qui sort. C'est vrai, Pop Redemption, c'est un film qui est mortel, qui est à propos de quatre mecs, des métalleux, qui ont pour habitude l'été, en fait, de se faire une petite tournée. Mort au train-vain, mort au confort et mort au bon sentiment. C'est pas du rock satanique, c'est du black metal. Le Hellfest. Ils m'ont appelé, ils nous veulent. Non mais attends, comment? Il y a eu un désistement, mais on s'en branle. On n'est pas prêt pour un truc aussi gros. Stop. Il est 18h là. Merde, la babysitter. Je sens que cette tournée, ça va être un cauchemar. Donc. Donc tu es le batteur, tu t'appelles Pascal, c'est toi qui as un restaurant chinois? C'est moi qui ai un restaurant chinois, je suis marié avec une chinoise qui s'appelle Yu Yu. Et que personne d'ailleurs, tout le monde appelle Yo-Yo ou Yu-Yu. Donc on va pour jouer au Hellfest, on a une petite date de répète dans un lieu qui n'est pas du tout approprié pour jouer du black metal. Et là on a des ennuis avec un patron et... cascade, achalandage, on va être obligé de se cacher parce que... murder. T'es en train de nous dire que toi, là, ici présent, ici, dans une humanité finalement, a joué au Hellfest? J'ai joué au Hellfest, mec. Sur la scène du Hellfest? J'ai joué au Hellfest en Beatles. J'ai joué en fait, Hellfest pas du tout, en macramé. J'ai vraiment joué, bon, mi-macramé, mi-Beatles. Ah oui, entre les deux. Et en batterie, donc un mois et demi de répète où moi je savais pas jouer de la batterie, où là t'es en live, en semi-live, comme ça, tac, tac, et là... Sans déconner, c'est la plus grande expérience de tous les temps que j'ai vécu. Et le public, ils étaient au courant que c'était pour un tournage? Oui, bien sûr. C'était chaud. D'ailleurs, il y avait Monsieur Petit, Steve Petit. Qui est vraiment le mec le moins petit du monde. Oui. Une stokos, hein, une bête féroce. Steve Petit, c'est le leader chanteur de Zoolefix. Zoolefix. Qui est un groupe les cultissimes du métal français. Et je suis fan de ce gars, et il était voir les gars, il fait « Ah les gars, ça va ?» Ah bah lui, il est légitime. « Bon, retiens, on tourne la film sur Black Metal !»« Vous faites reculer, qui a dit ça ?»« Retiens, pardon !» et donc, le gars nous a vraiment assaini le truc. « Ok, donc vous applaudissez quand je vous dis d'applaudir !»« Retiens, on le fait pour toi !» Ok, et là, on s'en fait. Julien était dément. Yacine, les gars, Yacine qui... Yacine Bellos. Qui a appris... Enfin, il joue de la guitare comme un métalleux de... Enfin, t'as jamais vu ça. Sans déconner, moi, Yacine m'a mis sur le... Et Grégory Gadebois aussi, super bluff et tout de basse. T'es tunisien à la base? Non, pas du tout. Mais... Si, un peu, parce que moi aussi. Non, je suis algérien. Beaucoup plus classe. Oh là là, Tunisie, Algérie, Bois-Colombe. Oh. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok. Jonathan Cohen, un adjectif pour décrire les métalleux? Somptueux. Quelle est la phrase la plus hypocrite que l'on entend dans le monde du cinéma? Ah vraiment, c'est vraiment une belle famille. Stéphane Bern et Nikos Aliagas sont dans un bateau, Daphné Burki tombe à l'eau, qui reste-t-il? Il reste Nikos parce que Nikos n'aime pas Stéphane Bern. Oh la putain, c'est nul. Alors tu préfères, à chaque fois que tu jouis, tu as l'image de Jean Roucas qui apparaît dans ton cerveau, ou quand tu vas tirer de l'argent, il y a un nain méchant qui te plante des mini couteaux rouillés sur la main quand tu tires ton billet? Alors je préfère le nain et les couteaux rouillés parce que au moins ça peut me faire rire. Si on reçoit Baptiste Le Caplin, tu as un truc à lui dire? Ouais, je lui dirais boubou. C'est quoi le prénom de ta première meuf? Sylvie. Et de ton premier mec? Sylvie. À part nous, quelle émission TV vaut le coup en France? Certainement une émission qu'on créera tous les trois, qui s'appellera Boum Boum Boum. C'est brillant. Pour terminer, tu peux nous faire un jingle de fin d'interview? Bien sûr. Fin d'interview pour vous, pour nous, pour everyone.
Je sors du métro, là, c'était là... À Stalingrad. Non. À Jaurès, je sais pas. Bref, on s'en fout. À Jaurès. Non, mais c'est pas important. Et là, je vais pour prendre le... En sortant du métro, tu sais, le... Non, non. T'as pris ton scoot? Non, c'est pas ça. Un Vélib. Ok. Et bon, et c'est là l'intérêt de l'histoire, elle est là, c'est que... Là, je tombe directement dessus en sortant et je le ramasse. Je tombe directement sur la... T'as trouvé une pièce? T'as trouvé... Mais non, tu me l'as enlevé de la bouche. Je l'ai con, je l'avais. Une... Quoi? Une quoi? Une quoi, putain, une quoi? Putain, ton cerveau de merde! Une quoi, t'as ramassé quoi? Quel métro? Quoi? Oh, t'es con! Qu'est-ce que ça aurait donné si tu avais été pompier, imagine? Ou même... chirurgien. Oh, j'ai eu la veine. Sandrine, vite, ouais. Passez-moi une... Une quoi, docteur? Une... Et si vous savez cet ustensile qui commence par C? Camisole. Non, 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 c'est pas une camisole. Une... Oh, je l'ai sur le bout de la langue! Un texte, docteur? Non... Un camelto. Une casquette? Non, un clic-clac. Courte manche, le... Non, non. Kev Adams? Kev Adams, c'est avec un cul. Carapuce, alors. Une culotte, peut-être. Excusez-moi, éventuellement un cadavre. Il est mort. Vous notez l'heure du décès? Ouais. Vous chargez d'appeler la famille, nous on va boire un coup. Très bien. Qu'est-ce que je te mets, chérie? Bah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Vivre les compresses. Oh, 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 c'était une compresse! Une compresse! Il est temps de jouer dès maintenant pour gagner cette fabuleuse Bass Fender. Elle est incroyable, le principe est très simple. Vous nous envoyez des photos de vous, habillées de vos fringues les plus nulles, les plus moches, à l'adresse mail qui s'écrit là juste en dessous. Hein? On sélectionne les meilleurs, on les republie sur notre Facebook. Et parmi seulement parmi les photos qui ont plus de 50 likes, McFly et moi-même choisissons le grand gagnant. Et maintenant, un instant de grâce et non pas de graisse avec McFly. Votre aura indique que vous êtes prêt à écouter la blague de Schneider. C'est bien. Allez les gars. Ah, je vous reçois 5 sur 5. Eh, hey, il y a l'été qui arrive là. Il faut que j'élague un peu tout ça. Je vais épiler là. Pour pécho un peu sur les plages là. Ouais, c'est une petite dédicace aux meufs là qui chialent. Allez, je me fais épiler. Je vais souffrir. Ça fait mal. Ouais, tu vas voir ce que c'est de la vraie épilation. Ah, il est temps de performer, jeune éphèbe. C'est l'histoire d'un mec qui arrive chez son médecin et dit « Bonjour docteur, je crois que j'ai un problème. Ah, quand je mange des oranges, je chie des oranges. Et quand je mange des fraises, je chie des fraises. C'est incroyable. Et ça fait la même chose avec les bananes. Quand je mange des bananes et je chie des bananes, ça fait la même chose avec tout ce que j'avale. Vous auriez pas un remède pour m'aider à devenir normal? » Et là, le médecin lui répond « Ben, mangez de la merde. » Les gars, merci. Il ne faut pas manger tous les chips. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Il ne faut pas manger tous les chips. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Il ne faut pas manger tous les chips. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais enfin, c'est évident, putain, tu manges des chips, tu mets de la graisse sur tes doigts, sur ta télécommande. Comment tu fais pour appuyer sur 1, 2, 5, 125 pour aller sur la Freebox à 20h? Tu loupes le show, tu loupes ce groupe, ta vie est pourrie. Rendez-vous jeudi prochain 20h sur l'énorme TV. Hein. Cela dit, je vais reprendre des chips quand même. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Parce que ces arguments ne m'ont pas séduit. J'ai tellement de rêves à valider.
Alors j'ai hâte de voir ma vie enfin changer, changer de cap. En haut, sous les ponts, de l'eau a coulé et je suis apte. Non, 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 non. À sourire aux vieux préjugés, au rire sous cap. Et du silence au cri du cœur, les murs ne sont plus à la hauteur. Je vais prendre mon envol, survoler la terre et ne pas lâcher l'affaire. Sans ma camisole, profiter de l'air. Et bien la seule chose à faire, prendre mon envol, survoler la terre. Libre et fier, je vais prendre mon envol, que ce soit clair. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Vous êtes sûr en termes de crédibilité? Non, non, ça marche, ça marche, ça marche. Au théâtre, tout marche. D'accord. Je suis pas certain quand même. Qu'est-ce que je dois dire? Ton texte. D'accord. Ah oui. Voilà. Les Anglais n'ont pas d'état d'âme, brûlons-les! Non, c'est les Belges n'ont pas d'état d'âme, brûlons-les. Excusez-moi, je suis en train de me rendre compte là de ce qu'on est en train de faire. Non, fais-le, ouais. Parce que c'est invité. Les gars, c'est du théâtre, c'est du théâtre pour enfants. Faut les faire rêver, faut les faire rire. Est-ce que Flo fait le... Il fait le cheval. Bon, Flo, barre-toi, je vais faire le cheval. Bon, ok, allez. Tu fais mal le cheval, c'est vrai. Le mec est un gesson à la base. On peut lui faire... On peut... Oui. C'est un moine, cheval. Ah, oui. Parce que là, on est dans une création collective. Hein. Bien entendu. Un moine cheval. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce qu'on est en train de faire? Non, non, on est vraiment en train de faire de la merde, les gars. J'ai fait le conservatoire 3 ans. Et je le regrette. Tu trouves qu'on régresse par rapport à ta carrière? Ce qui se passe maintenant, tu penses que ça va te... Oh, tu sais, j'ai pas de carrière. Je trouve ça stupide.